Dans la commune de Pobé, comme dans tout le Bénin, les enfants de 7 à 10 ans étaient à leur nord le mardi 7 mai 2024. C'est grâce au projet Kids Athletics organisé par le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires avec pour partenaire la Fédération béninoise d'athlétisme. Zéro. Zéro. Nous avons le saut à la corde, nous avons le saut en croix. Nous avons le lancer de balle à panier, nous avons le lancer de javelot. C'est un jeu d'enfants qui regroupe différentes activités d'athlétisme et d'autres disciplines. Les enfants ont plusieurs ateliers à parcourir et nous avons plusieurs groupes d'équipes. Nous avons 9 groupes d'équipes qui vont parcourir chaque atelier. Et nous avons également 9 ateliers. Ici, sur ce site, nous avons 2 catégories d'enfants qui sont en train de compétir. Il y a les catégories de 7 à 8 et il y a les catégories de 9 à 10. C'est pour initier les enfants au sport, pas seulement en athlétisme. Parce que ceci va permettre aux enfants de se mouvoir, de faire plusieurs jeux. Et à la longue, quand ils vont quitter ce stade, cette catégorie, et quand ils vont vouloir se spécialiser, mieux choisir une activité sportive, ils vont s'orienter librement. Toutes les écoles de la commune ont participé aux différents ateliers sous le regard des juges, chefs, officiels et autres. Les règles dépendent de chaque jeu. Les concurrents vont courir, si on peut le dire ainsi, d'une zone d'élan de maximum 10 mètres. Et ils vont réaliser un saut en longueur avec des exigences fortes sur la précision de la marque d'impulsion et la marque de réception. Bon, c'est pour dire de façon globale, c'est ça. On leur explique et ils se lancent. Il y a des connotations, des points pour chaque précision. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires et le chargé de mission du préfet ont apprécié cette initiative qui permet aux écoliers d'être plus actifs à développer leur aptitude motrice. Ils invitent par ailleurs les enfants et les juges au respect des règles de chaque atelier. On a demandé aux apprenants de savoir qu'ils sont sur l'aire de jeu et qu'ici il n'y a pas d'ennemis. Il y a peut-être d'adversaires et ça s'arrête aussi, l'adversité aussi s'arrête sur l'heure de jeu. Et après, l'amitié continue. Il n'y a pas à ce que ce qu'on fait ici ait un impact négatif sur les amitiés. Non. Et par rapport aux officiels, nous avons demandé à ce que l'impartialité soit observée. Je crois qu'on ne peut pas ne pas remercier notre gouvernement qui, de tout le temps, se bat pour que la jeunesse soit une relève, que nos enfants soient notre espoir, qu'ils soient ceux-là qui nous permettent de savoir qu'après nous, il y a toujours nous et qu'ils vont assurer notre derrière. Au moins 4140 écoliers de 7 à 10 ans sont mobilisés dans 23 stades au Bénin, accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants.